toi qui désigne. Guillaume Chiesse, tu fais quoi là? Allez, à toi Guillaume. Allez, la police-justice. Alors, la police-justice espère simplement que l'Olympique de Marseille finira devant l'AS Monaco. Malgré cette victoire. Jouable. Et malgré ce que tu souhaites, Eric Silvestro. Allez, l'OM. Allez, Raphaël Bontard. Allez, je rappelle que Monaco a battu 2-1. C'est la der au 22 rue Bayard dans ce soir de Ligue 1. La parole à Raphaël Bontard. Alors, moi ce soir je peux rien dire parce que j'ai plus de voix. Et par contre, depuis environ à peu près une heure, j'utilise qu'une seule chose, cette magnifique vuvuzela volée à Georges Grenier. Est-ce qu'on a craqué des fumigènes? Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il faut le raconter aux auditeurs. Tout à l'heure, il y a Sinamir et Nicolas, qui est serveur chez Sabi. C'est notre deuxième maison. C'est le bar en face. Ils sont montés au premier étage de cette mythique rue Bayard. Et ils ont allumé une extraordinaire fumigène. On a fait exploser des confettis de partout. Et grâce à Guillaume Chiesse du service police-justice, on a barré la rue Bayard. C'est du jamais vu depuis 1974, depuis l'élection de Giscard d'Estaing. On n'a jamais barré la rue Bayard au tour de tour. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir assuré l'antenne pendant qu'on faisait la fête dehors. Merci à vous les gars. Et merci au fond. Il est temps d'appeler les anciens, il est temps d'appeler ceux qui nous ont guidés jusqu'à maintenant. Virginie Gara au micro. Oh ouais, alors je rappelle que Monaco a battu Lille 2-1. Et que Virginie Gara va prendre la parole. Libre antenne ce soir, Virginie, tu veux parler de quoi? De cette fête magnifique, c'est génial. On ne quitte pas RTL avec tous les anciens qui sont venus ce soir. On voit qu'ils ont toujours la pêche. C'est eux qui ont même mis le plus d'ambiance. C'est un moment émouvant. C'est un moment émouvant de quitter cette rédaction et ces lieux qui étaient un... Voilà. Ouh, ah oui, oui, non mais tu vas pleurer. Qui ne saute pas n'est pas RTL. Hey, qui ne saute pas n'est pas RTL. Elle qui ne saute pas n'est pas RT. Elle qui ne saute pas n'est pas RT. Elle qui ne saute pas n'est pas RT. Ah ben non. Ah, on va trouver des beaux locaux, tout neuf, tout clair, etc. Et on va continuer surtout, ce qui est important, c'est qu'on garde l'âme de RTL et qu'on continue à être la première. Tu vas pleurer, Virginie. J'ai l'impression que t'as gagné la Coupe de France. Oui, oh, Virginie. C'est 98. Ouais. Oui, la Coupe du Monde. Coupe du Monde, bon. Non, à qui la parole? À 20 ans. Alors, Guillaume. Qui veut prendre la parole? Il nous reste quelques minutes, on n'a pas le droit au blanc. Il a déjà parlé. Anne-Claire. J'ai vu Anne-Claire. Anne-Claire. Oui. Et il n'y a jamais eu autant de filles au micro de soir de Ligue 1. C'est bien, Isa, tu retiens. Vous avez reconnu la RTL, clair. Je sais pas si vous saviez, mais c'est Raconte ta life. Ouais. Alors, raconte ta life. Elle a les lunettes. Voilà, j'ai les lunettes, donc... d'une soirée mythique. Amis du football et tous les autres, amis d'RTL, merci. Continuez à raconter votre life dans ce superbe micro. On vous aime très fort. Mais oui. Ouais. Ça va être sur Kekédor, faut aller la chercher. On rappelle que Monaco a battu Lille 2-1 pour Remets un peu l'église au milieu du village, tu vois. C'est 2-1. On a pas compris. Ah, tiens, au fait. Essaye de faire parler Jean Daniel. Marseille, on en parlait, la Ligue d'Europe. Leipzig. Leipzig pour le Leipzig. Allez, Jean Daniel. Allez, le Jean Daniel. Les autres réclament Jean Daniel. Jean Daniel. Jean Daniel. Jean Daniel. Jean Daniel. Twitter de RTL réclame Jean-Daniel Collomb, le soutien. Oui, 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 la première à la. Où est Ludovic Van de Kerkhove qui présentait soir de Ludo? Ludo, assis-toi, Ludo. Jean-Daniel, Jean-Daniel Collomb, la une. Jean-Daniel Collomb, la une. Jean-Daniel, il est là. Pour changer tous les plannings. Alors Jean-Daniel, on va mettre en avant
C'est le moment de profiter de cette antenne pour parler d'un club qui t'est cher. Oh non. Le Real On est tous en train de vivre quelque chose d'historique. Et je souhaite une chose, c'est que l'esprit du 16 mars, puisque nous sommes le 16 mars, nous accompagne. Oui. Jean-Daniel Colomb, de l'histoire de Soir de Ligue 1. Nous allons rendre à l'heure malgré les deux salles. Il nous arrive jamais de rendre à l'heure. Et bien ce soir, nous allons faire un point d'honneur à rendre à l'heure et tout le monde va faire le top horaire. Ouais. Et tout le monde va lancer le flash en même temps. Oh, Céline Landreau ! Et ne pas te faire piquer tes feuilles juste avant la rue, les amis. Céline ! Non, il y a plus d'antenne. Tout le monde fait le top horaire, les amis. On va attendre. Je suis content. C'est Eric, hein. Bravo, Eric. C'est nous les trompettes, hein. C'est nous les trompettes. C'est vous les trompettes. On fait tous les trompettes. Allez, 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 allez. On n'entend pas, là. Eh, neveu, c'est Nina. Eh, neveu, mets-nous le retour. Pam, pam. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Avec Céline Landreau. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Donc j'y vais, on fait comme si le monde continuait de tourner. Allons-y, essayez, essayez. Voilà, on va vous dire qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron sont à nouveau côte à côte pour défendre l'Europe enfin stabilisée politiquement. La chancelière était à l'Elysée cet après-midi pour défendre les réformes claires et ambitieuses pour l'Union européenne. Paris et Berlin veulent établir une feuille de route d'ici juin. Olivier Faure, lui, sera investi premier secrétaire du PS le 7 avril prochain, arrivé largement en tête du vote des militants lors du premier tour. Le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale sera le seul en lice pour le second, puisque Stéphane Le Foll, ça ne vous a pas échappé, a décidé de se retirer. La grève n'est pas une fin en soi, alors que l'on connaît désormais le calendrier de la grève en pointillé des cheminots. Deux jours de grève, tous les cinq jours, dès le 3 avril et pendant trois mois. Les syndicats de la SNCF continuent de discuter avec le gouvernement, mais ils réclament l'ouverture de vraies négociations sur le projet de réforme du rail. Autre réforme en préparation, celle de l'assurance chômage. Le gouvernement pourrait faire évoluer le contrôle des chômeurs. Manquer une première convocation à Pôle emploi pourrait être bientôt moins sanctionné qu'une recherche de travail peu active, selon les confrères du Monde. Le sport, on est dans une ambiance de stade et vous allez saluer le 15 de France remporter leur dernier match face au Pays de Galles. Victoire 38 à 3 sur le terrain des Galloises. On espère autant des hommes demain qui joueront à 18h toujours au Pays de Galles. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Le football et la Ligue 1 d'abord, vous l'avez vécu sur la télé. La victoire de Monaco 2-1 sur son terrain face à Lille. Et puis en Ligue Europa, l'OM connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale. Les Marseillais affronteront Leipzig. Ils iront en Allemagne le 5 avril. Match retour au Vélodrome le 12 avril. Allez l'OM ! Instable en ce début de week-end. Plutôt instable. Plutôt instable. C'est rare
peut dire comme ça, les giboulées. De belles éclaircies quand même, tout de même, en matinée de la Bretagne au Roussillon. Ailleurs, des nuages, des giboulées, je vous le disais, même des pluies régulières dans le nord et l'est. Et puis un temps instable généralisé dans l'après-midi partagé entre courtes éclaircies et fréquentes giboulées. Il pleut aussi dans le studio. La limite pluie-neige, elle va s'abaisser à 900 mètres en montagne. Les températures, beaucoup plus fraîches que rue Bayard ce soir. 0 à 9 degrés de matin, il n'y a qu'à Ajaccio. L'après-midi, 2 degrés à 7 à Nancy, comme dans la capitale, 10 à Brest, 12 à Biarritz, comme à Lyon, et 16 degrés à Toulon. Il vous reste 10 secondes pour dire au revoir dans 10 secondes. On laisse la parole. Elle est vraiment! Elle est vraiment! Elle est vraiment! Elle est vraiment phénomène. Qui ne saute pas n'est pas RT. Qui ne saute pas n'est pas RT. Bravo les gars. Bravo. Bravo, c'est du travail d'artiste. Bravo. Bravo. Magnifique. Céline, Céline, Céline en gros. Céline en gros. Prépare le contrat. CDI, CDI, salut. Bah ouais, super.